bonjour à tous chers amis, c'est Harry Schneff avec vous. Le monde n'a jamais vu une telle vidéo, un tel charisme. Et pour 4 millions, je vais sortir le clip. Bon, le spam est fini, ça finit 4, 2, 3, 4. Les gars, nous sommes de retour au centre de trampoline aujourd'hui. Je pense que tout le monde a vu la vidéo où nous étions ici en train de courir d'abord au soleil FNAF et ensuite de la lune FNAF. Parce que la nuit, il y a des vrais animatronics dans ce centre de trampoline. Mais cette fois-ci, Safik et moi nous sommes préparés et nous avons décidé de jouer à cache-cache avec la lune. Regardez, nous avons apporté notre tenue de camouflage. On peut les enfiler complètement comme ça et se cacher dans une certaine couleur. Croyez-moi, c'est un camouflage vraiment cool. Vous avez remarqué, Safik? C'est comme ça que ça marche, les petits gars. Notre travail consiste à appâter le soleil, à faire semblant de vouloir jouer avec lui, puis à éteindre brusquement la lumière pour faire apparaître la lune. Et déjà avec elle, nous enfilerons ses combinaisons de camouflage et jouerons à cache-cache dans ce gigantesque centre de trampoline. Safik, cache les tenues de camouflage. Et maintenant, nous allons chercher le soleil pour qu'il joue avec nous. Soleil, où es-tu? Je t'attends. Soleil, allô? Désolé pour la dernière fois. On ne savait pas qu'il ne fallait pas éteindre la lumière. Alors viens, s'il te plaît. Il n'est pas dans le fromage. J'ai cherché de partout. Eh bien, Soleil, arrête de faire n'importe quoi. On ne peut pas passer la nuit à chercher. Le seul endroit où je n'ai pas encore cherché, c'est sur les trampolines, là. Les gars, Safik, regarde. Oh la vache, qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Je me demande si on peut le toucher avec les mains. Je pense que ouais. Attends Arthur, regarde, il y a des boutons gris s'abonner. Oh, il doit les aimer. Les gars, vous devez nous aider, ça veut dire. Allez les gars, surtout n'oubliez pas de nous aider. Il y a donc écrit, je suis parti pour les boutons gris. Apparemment, c'est avec ça qu'on peut l'attirer. Les gars, s'il vous plaît, retournez votre téléphone ou faites quelque chose sur votre ordinateur. Allez en dessous de cette vidéo. Et si vous avez un bouton rouge, assurez-vous de cliquer dessus et de le rendre gris pour pouvoir attirer le soleil FNAF et jouer à cache-cache avec lui. Bon, allez, 1, 2, 3. Oh, merci beaucoup. Eh bien, un tas de boutons gris, où es-tu? Oh, il devrait être ici, non? Qu'est-ce que tu... Oh, c'est de là que venaient les rires. Comme la dernière fois, il se cache là, on y va. Hé, regarde. On est là. Tu te souviens, tu as montré différents jeux. Peux-tu montrer à nouveau? Tu es vraiment venu jouer avec moi? Je pensais que c'était une sorte de tour et que tu voulais éteindre les lumières pour que la lune apparaisse. Quel piège! Ouais, ça fait... Ouais, on est là pour jouer, quoi! Ouais! Maintenant, nous allons nous amuser. Nous n'aurons qu'à éteindre les lumières quand il sera épuisé, c'est compris? Mais avant cela, jetons-lui quelque chose pour qu'il ramasse quelque chose, quoi! Ouais. Alors, allez, montre-moi! Ah bah! Ah tiens! Ah bah! Comment je fais pour marquer? Il a marqué dans son goal, la débile! Ouais! Bravo! Maintenant, c'est à moi de jouer! Pas possible! Il ne l'a même pas regardé et il l'a mis dedans! Écoute, je le laisse tomber parce que j'ai peur! N'aie pas peur! C'est très facile! Si c'est le cas, d'accord! Alors quoi? Tu t'amuses bien? J'espère vraiment que tu t'amuses beaucoup! Y a-t-il quelque chose de moins extrême? Bien sûr, je vais te montrer. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux? Bien sûr. J'espère que vous vous amusez bien. Artyom, tu t'amuses bien? Ok. Arrêtez, attendez. C'est un manège un peu trop extrême. Artyom? Artyom, passons tout de suite au plan B. Nous allons disperser des jouets comme ça, ils vont commencer à les ramasser, nous allons éteindre les lumières, et la lune arrivera, et là on sera déjà en train de jouer à casse-casse camouflé, mon gros. Je peux plus supporter ces jeux, les gars. On a trouvé cet endroit. Venez par ici. Allez. Voilà. Non,
Voilà, c'est ce genre de jeu qu'on aime. Artyom, il faut courir tout de suite, éteindre les lumières pendant qu'il est encore train de nettoyer. Allez, vous. Mais comment on fait pour éteindre les lumières? Nous devons éteindre la lumière en même temps. Mais tu te fous de ma gueule? Mais je te dis que ça marche. Allez, 1, 2, 3. Oh putain! Oh, ça y est, j'ai nettoyé. Les gars, où êtes-vous? Les gars, hein? Les gars, vous savez que vous ne pouvez pas éteindre les lumières. C'est la règle principale. Une seule règle, ne pas éteindre la lumière. Sale petit garçon, je vous avais prévenu, n'éteignez pas les lumières, n'éteignez pas. Elle s'est probablement déjà transformée là-bas. Il faut qu'on mette nos tenues de camouflage tout de suite. Allez, on y va. Où êtes-vous? Je vais vous retrouver. Artyom, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ensuite, tout se passe comme prévu. Écoute attentivement. Toi et moi, nous jouons avec le soleil, mais dès que les lumières se sont éteintes, le soleil s'est transformé en une lune. Sale garçon. Il est temps que tu ailles dormir. Tu dois être puni. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la lune alors? Assez simple, on va jouer à cache-cache avec elle. Mais si la lune nous poursuit, on peut se lever ou s'allonger sur notre couleur et s'évaporer pour elle. Bah ouais, ça va être trop bien. Sale petit garçon, il est temps pour toi d'aller dormir. Exactement, sa fille. On dirait que ça va être super drôle. Qu'en est-il du générateur et des batteries? Il y a 5 générateurs sur la carte, ainsi que 3 batteries pour chacun d'entre nous. Nous devons les faire fonctionner pour allumer les lumières et les batteries pour rafraîchir l'énergie de nos torches. Il y a aussi une règle spéciale, une règle secrète, et c'est une règle pour nos téléspectateurs. Faisons un marché, les gars. Si la lune ne nous attrape pas, vous mettrez 100 000 likes sous cette vidéo. C'est beaucoup, mais je suis sûr que vous y arriverez. Exactement, j'ai bien compris. Et vous, est-ce que vous avez bien compris? Ouais, allons-y. Mais sur les costumes, Artyom. Regarde, 1, 2, 3. C'est bon, les costumes sont sur nous. Allumons les générateurs et cachons-nous. Allons-y. Où est le générateur? Comment le trouver? Mince, c'est la lune! Je sais que tu es quelque part ici, je te sens! Viens vers moi! Il faut éteindre la torche! J'espère que le camouflage fonctionne! Méchant garçon! Pauvre petit garçon! Il est temps pour toi d'aller dormir! Tu as besoin d'être puni, petit... petit garçon! Bon sang! Les combinaisons fonctionnent! Nous pouvons nous déplacer en toute sécurité dans tout le parc de trampoline! Artyom! Mais pas peur! Je cherche ce générateur! Vas-y, mais me claire pas dans la gueule, s'il te plaît! Mais ça va pas, ça fique de me faire peur comme ça! Viens régir à l'étau sur la carte, dans le fromage! Mais oui! Regarde, je cherche ici, là! Viens avec moi! Ok, je vais voir ailleurs! Les gars, vous avez pas remarqué non plus, les gars! Si quelqu'un m'a remarqué, qu'ils le disent dans les commentaires! Les petits abrutis! Ok, allez, suivez-moi! Allons chercher le générateur! Quelque part par ici, la carte ne devrait pas me mentir! Oh! Oh! Voilà le générateur, les gars! Bon, il faut qu'on le mette en route! Allez! 1, 2, 3! Oh! C'est parti! Ah, je dois aller chercher les autres! Oh! Personne! Oh! On dirait que la combinaison fonctionne! Très bien, les gars! Il ne faut pas perdre de temps à chercher notre générateur! Et ouais! Le générateur est en sécurité! Où sont les gars, là? Il faut les trouver! S'assurer qu'ils n'atteignent pas le générateur! Et les punir! Cette combinaison est cool! On peut se cacher n'importe où! Il y a beaucoup de couleurs et c'est pour ça que je l'ai...
acheter pour entrer comme ça et m'assurer que personne ne me trouve à 100%. C'est aussi intéressant. J'ai entendu la lune. Elle disait, le générateur est en sécurité, donc il est quelque part dans le coin. Je ne pensais pas que ça serait aussi facile. L'essentiel est de ne pas tomber dans les boules et ne pas faire de bruit. Il ne reste plus qu'à le rejoindre en passant par cette gorge. On ne sait pas très bien quelle est la profondeur là. Ça marche! D'accord, je plonge et je remonte à la surface à l'autre bout du parc. Octium, c'est toi? D'autres se promeneraient en costume rouge, hein? T'as trouvé au moins un générateur, non? Écoute, j'ai failli être brûlé par la lune, mais Dieu merci, elle ne m'a pas vu et j'ai pu allumer un générateur. Moi aussi j'ai allumé un générateur. Mince, Octium! Maintenant que j'ai la plus de batterie, putain! Et nous devons donc trouver des piles tout de suite. Si la lumière s'éteint, nous ne pourrons pas trouver les générateurs dans l'obscurité totale. Oh, qu'est-ce que c'est ça là? Il y a une sorte de lumière, quelque chose qui tourne. Ah bon? Incroyable! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Apparemment, c'est une sorte de... Nous sommes dans un jeu. Peut-être que c'est une sorte de point ou qu'on va nous donner d'une arme. Vas-y, touche-le toi, mon gros. Allez. Génial! J'ai changé ma couleur. J'avais du rouge. Et maintenant, c'est du bleu. Apparemment, c'est un bouton qui change la couleur. J'ai eu du violet, moi. Regarde, maintenant on peut vraiment vaincre la lune. D'abord une couleur, puis une autre, puis une troisième. Ça doit plus être difficile pour elle maintenant. Octium, voici la pile de ma torche, regarde. Ouais, ta torche est en train de s'éteindre, tu n'en as encore plus besoin, alors prends-la. Je vais aller chercher un générateur. D'accord, merci mon gros. Allez, les gars, quelque part ici, dans les trampolines, il devrait y avoir un générateur. Ouais, on va aller chercher les gars quelque part, ça va être trop bien, on va le trouver. Oh, le voilà! C'est tellement facile! Il était juste là! Ouais, je vais l'allumer maintenant et j'aurai un deuxième générateur sur mon compte, ouais! Je pourrais même dépasser Artyom! Oh les gars, la lune se lève juste ici, regardez! C'est trop bien! Je sens que les petits garçons sont quelqu'un par là! J'ai besoin d'un endroit où me cacher! Oh, c'est rose! Le rose ne me va pas très bien! Jaune? Bleu? Chut! Non, y a pas du tout de violet ici, hein! Il faut vite se cacher quelque part! Mam, tu crois que j'ai une idée de génie? Ouais, les gars! Et, plein de couleurs différentes dans cette immense piscine de cubes! Mais je pense qu'il va trouver d'avoir du violet, bien sûr! C'est parfait pour moi! Si je saute directement dans cette mer de cubes, il ne me verra pas, c'est sûr! Ce serait... J'espère qu'il ne me verra pas! De toute façon, il n'ai pas le choix! Hein? Deux? Il arrive! Toi! Il faut que je sois très calme et très prudent, sinon il va me brûler tout de suite! Il n'y a pas de problème avec le générateur! Il ne semble y avoir personne ici, mais nous devons encore regarder autour de nous! Et trouver ces vilains petits enfants! Où pouvez-vous être? Il ne semble y avoir personne dans cette fosse à cube! Il va falloir chercher ailleurs. Oh, le gars, il a failli me cramer quand même, putain. Il ne me reste plus qu'à sortir d'ici et à se rapprocher du générateur et à l'allumer. Deux, trois, c'est parti. Il faut sortir d'ici maintenant. Voilà le générateur. Il est au début de ce labyrinthe. Je n'ai aucune idée de comment y arriver. La seule option est d'aller là-bas au plus profond de ce forêt et de trouver la solution. Des pièges. La torche ne fonctionne plus du tout. Il n'y a pas beaucoup de bleu là. Merde, il n'y a que le plafond. Si la lune est là, elle me trouvera immédiatement. Mais il n'y a pas d'autre option. Alors nous devons atteindre ce générateur. C'est le Père Noël, d'accord. Ok. On ne voit rien avec cette torche.
On peut se perdre ici, c'est une vraie catacombe. C'est comme de l'eau dans le désert. Je la mets dans ma torche maintenant, allez, allez. Oh, ça marche. Ah, là là là. C'est la lune. Les gars, elle est en haut, donc elle n'est pas dangereuse pour moi. Ok, t'as compris, je montrerai bien mon cul, mais je ne ferai pas. C'est trop dur. Les gars, elle est au troisième étage. Le générateur est là-haut aussi. Trouvons un moyen de le contourner. Elle est au troisième étage. Le générateur doit être ici, quelque part. Mes chers enfants, où êtes-vous? Il n'y a personne. Génial, si je n'étais pas sur le carré bleu, mais au moins sur celui-ci, je serais foutu complètement. Mince. Le générateur. Mais comment... Le voilà, les gars, c'est le deuxième. Mettons-le en marche. Et comment ça? Je me demande si sa fille en avait un comme ça. Nous devrions le savoir. Au secours! Au secours! Je ne sais pas où j'en suis. Arrête-toi, tu ne pourras pas t'enfuir. Oh là, la lune, elle est perdue. Pendant qu'elle s'embrouille, nous devons trouver le générateur rapidement. Mais où est-ce qu'il peut bien se trouver? Oh, le générateur! D'accord. Je suis complètement dé... Il fonctionne pas. C'est quoi le problème? Je pense qu'il faut demander à Artyom. Artyom! Mais où est cette pique? Qui est là? C'est moi! Mon générateur ne démarre pas! Même problème! Il ne démarre pas! J'ai essayé de le tirer dans tous les sens! Oh, mais ce sont les deux derniers générateurs! Écoute, si ce sont les deux derniers alternateurs, peut-être il faudrait les démarrer en même temps! Essayons, allez! C'est clair! 1, 2, 3! D'accord! Artyom! Je suis en position! Allez, sa fille! Allez! 1, 2, 3! Vas-y, recommence. Oh mec, j'en ai marre de rester dans cette prison. Quand est-ce que ce clown va nous laisser sortir? Tiens. Alors les détenus, voici votre petit déj du chocolat. Mangez bien, mes amis. Bon, les gars, je comprends que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Attendez, là, voilà. Et j'ai pris le plus petit, le Milky Way. Écoutez, monsieur le clown gardien, nos abonnés ont déjà mis 100 000 likes entiers, quoi. On a vraiment envie d'être libre. D'accord, il faut vérifier. Je vais consulter mon portable. Waouh, vous avez vraiment 100 000 likes. Alors, je vais vous laisser sortir. Attendez une seconde. Voilà, ça s'ouvre. Alors, on pouvait ça avant ou quoi? Non, on ne pouvait pas faire ça avant. Abonnés, merci beaucoup que vous avez mis ces 100 000 likes sous la première vidéo. Parce que quand les clowns nous ont mis ici, ils ont dit que quand il y aura 100 000 likes sous la dernière vidéo, ils nous laisseront sortir. Il faut que vous ayez au moins 100 000 likes. Vous avez mis 100 000 likes et on peut rentrer chez nous. Les gars, et ça c'est quoi ces clowns? Pas de précipitation, mes chéris. Nous voulons jouer à cache-cache avec vous comme les clowns de la dernière fois. Les autres clowns nous avaient prévenus la dernière fois. Alors là, peut-être mes amis reviendront un jour jouer de nouveau avec vous. Apparemment, c'est la deuxième partie des cache-cache extrêmes dans les boîtes de ces clowns. Regardez, il y a un clown astronaute et un chien. Nous voulons aussi jouer avec vous. Expliquez-nous les règles et allons-y. Les gars, j'espère que vous vous souvenez des règles. Ici, nous avons juste un tas de boîtes et nous avons 3 clowns qui vont nous attraper. Chaque clown a une façon différente de trouver les participants, mais chacun a 10 essais. Alors cachons-nous dans les boîtes et faisons en sorte qu'ils ne nous trouvent pas.
Moi je pense que le plus intelligent serait de se cacher plus près de juste la porte là. Alors moi les gars, je me cacherai dans cette boîte et ouais regardez, hop je vais disparaître et c'est parti. Au fait les gars, si vous mettez sous cette vidéo 100 000 likes, et je suis sûr que vous allez le faire, nous allons faire encore plus de vidéos sur les clowns et les cache-cache, même peut-être dans un magasin fermé pendant 24 heures. Bon, ok. Les gars, je suis vraiment heureuse que nous ayons été libérés. Pendant qu'on était en prison, j'ai trouvé des endroits intéressants pour se cacher et ils ne me retrouveront jamais. En tout cas, ma première idée c'est... Viens, je vais montrer. C'est une boîte comme celle-ci. Je l'ai retournée et je l'ai placée contre le mur. Je l'ai fait pour aller d'une boîte à l'autre parce que c'est pratique et qu'on peut voir où se trouve le clown. C'est pour ça que je me cache ici aujourd'hui. Et si je me cachais en plein milieu? Parce que si je me cache dans un endroit évident, ils me trouveront jamais quoi. Bon, je vais vérifier cette idée. On va essayer. Hop là! Alors, je vais être le meilleur. J'ai une arme secrète, mon chien fidèle. Les gars, ce clown est accompagné d'un chien. Je vais la laisser se balader maintenant. Et moi, je vais me reposer tranquillement. Ce n'est pas juste. Elle va trouver tout le monde maintenant. J'entends ce chien courir d'une boîte à l'autre. Mince. Je crois qu'il m'a trouvé. Hein? Oh putain, on dirait que le chien a déjà trouvé quelqu'un là-dedans. Je vais casser la croûte pendant que mon chien cherche. Je crois qu'il est parti. Tout va bien, les gars. Je crois qu'on m'a pas trouvé. Tu as mangé mon sandwich? Alors bon, allons chercher les gens. Cherche. Allez, c'est parti. Cherche. Les gars, ce chien vient droit vers moi. Et en plus, je suis dans la boîte rouge. Et en plus, elle est vachement visible. Et si la couleur rouge attire l'attention du chien? Les gars, faisons-le. S'il vous plaît, changez la couleur de ma boîte. C'est très facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sous la vidéo et de rendre le bouton rouge s'abonner gris. Et alors la couleur de ma boîte changera et je serai moins visible pour ce chien. Ok, chronométrons. 5, 4, 3, 2. Appuyez sur le bouton rouge. 1. Oh, elle a directement changé de couleur. Merci beaucoup. Quoi? Où vas-tu? Allez. Ils sont là, ils sont tout prêts. Il y a quelqu'un ici, je l'ai trouvé. Quoi? Il n'y a personne. Bon, on poursuit les recherches. Cherche. Quoi? Maintenant là? Là? Ils sont là? Ouais, t'es sûr? Personne! Mais comment se fait-il? Qu'avez-vous fait? Pourquoi est-ce que mon chien ne me retrouve plus? Mais c'est pas grave, j'ai un deuxième secret pour vous. Voici mon deuxième secret. C'est un requin. Je vais l'utiliser pour retrouver tout le monde. Ce clown n'a plus de chien et il risque de ne pas pouvoir retrouver tous les autres. C'est mon requin préféré. Je l'amène pratiquement partout. En fait, vous savez les gars, il a encore plus de chance avec ce requin. Au moins, il s'enfuit pas comme ce chien, ouais les gars. Alors, on va aller chercher. J'ai toujours de la chance avec ce requin. Je suis dans la boîte verte au cas où. Je suis sûr à 100% de trouver quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Je pense que c'est mon intuition qui m'aide. Allons voir. Il a vraiment un vrai requin dans les mains ou quoi? Quoi? Personne? J'ai encore du mal d'écouter. C'est probablement la première et la dernière fois que je choisis une boîte aussi étroite. Il est impossible de s'y asseoir. Qu'est-ce que tu dis? Hein? La suivante? Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Le verre là-bas? C'est qui là? Je vais te trouver. Toc toc. Je t'ai retrouvé. Mais c'est ta
vous que j'ai parlé, que je suis dans la boîte verte, les gars, pas ce clown. Ouvrez-moi. Comment l'a-t-il su? Mon requin est sûr que tu es là. Je lui ai fait toujours confiance. Ouais. Ah non. Mais non, je t'ai trouvé. Non. Ce clown a chopé Bruno. Allons-y. Les gars, allez, j'ai perdu. Putain. Allez, ah. Tu ne sortiras pas d'ici maintenant. Mais il commence à faire très chaud dans cette boîte, vraiment. William Bruno vient de se faire prendre. Qu'est-ce que tu as avec ta tête, clown? Je n'ai aucun problème. Je suis vétérinaire. Il faut sortir de cette boîte. De toute façon, je suis grillé dedans. Les gamins, c'est tellement frustrant de perdre. C'est le premier tour et ils m'ont trouvé en premier, quoi. Comment peut-on être aussi nul? Mon téléphone se décharge et il faut que je me promène avec une batterie comme un con, quoi. Mon requin préféré. J'avais dit qu'avec elle, c'était sûr. Les gars, j'ai réussi à me cacher de nouveau. Je vais te retrouver maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Celui là-bas, le jaune? Tu es sûr de toi? Voyons, voyons, t'es sûr? Il est juste derrière moi. Je stresse énormément. Ah, personne? Ah, mais pourquoi? T'es sûr? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Je crois que je sais pourquoi. Quelqu'un était là et a couru dans l'autre. C'est à 100% sûr. Mais ce n'est pas juste. Mais je te trouverai quand même. Où es-tu? Ah, peut-être que tu as couru vers cette boîte jaune. Ah, ah. Oh, il est juste ma mère. Coucou. Bon, je suppose qu'il est trop malin, celui-là. Le rouge. Il est quand bon, celui-là, peut-être. Allons voir. Qu'est-ce qu'on a, là? Allons voir. Je t'ai trouvé. Allez, 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 toi. Sa fille, je t'ai trouvé. Viens avec moi. Moi, j'ai plus de chance que sa fille. J'ai une grande boîte. Et s'il commence à la lever d'un côté, je pourrais m'échapper. Ils t'ont trouvé aussi, hein? Ouais, mais au moins, tu n'as pas été trouvé en premier, toi. Moi qui disais, mon requin et moi, on va attraper tout le monde. Les gars, c'est un putain de clébard. Bah, moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai vu que ce clown ressemblait à un putain de chien. Je crois qu'avec mon requin, ça marche une fois sur deux. Mais c'est pas grave, nous n'avons pas eu d'entraînement depuis longtemps. Quoi? Le bleu comme ta couleur? Plus clair? Allons voir! C'est là! Coucou! Qui est là? C'est vide! Mais comment c'est possible? Oh, vide! Bon, c'est pas grave! Ne me trahis pas! Il reste encore deux essais! Les gars, si vous voulez encore plus de vidéos avec des clowns et des cache-cache, mettez sous cette vidéo 50 000 commentaires! Et nous ferons un troisième épisode de cache-cache avec des clowns dans des boîtes. Qu'est-ce que tu dis? Le rouge? Laquelle? Le grand ou le petit? Ah, le grand? C'est lui-là? C'est le bon, là? Alors, qui avons-nous là? Qu'est-ce que tu dis? Il y avait quelqu'un là? C'est là que Aline se cachait! Mais où aurait-il pu aller? Allez, on y va! Il nous reste une chance! Nous devons le trouver! Tout droit? D'accord! Je vais où? Je comprends pas. Celui-là? Tu es sûr? Eh bien, cherchons-le. Il est vide. Je croyais qu'Arishnev était là-dedans. Encore personne. J'ai épuisé tous mes essais. Il n'a plus d'essais, lui. Ouais. C'est comme ça qu'on va t'avoir. Compris, chat d'ivrogne? Safique, ça va, toi? Les gars, dans ce tour, ce clown n'a trouvé que Bruno et Safique. Et Alina et moi, nous sommes en train de nous introduire, donc le jeu continue. Et toi, tu disparais, compris? Mon requin m'a trahi. Il a disparu, Safik. Quelle voix je dois prendre? Celle-ci est trop grande, mais elle est sans doute pratique pour se cacher. Mais je pense que ce clown va ouvrir les grandes boîtes, parce qu'il est lui-même le grand, le clown. J'ai donc décidé de prendre cette boîte jaune près de la mur jaune. Et comme ça, il ne regardera jamais là-dedans. Vous avez déjà vu un clown cosmonaute? Il faut choisir une boîte
La dernière fois, je me suis caché dans celle-ci et je dois dire que c'est aussi inconfortable que possible. J'arrivais à peine à tenir dedans, mais les grosses boîtes droites ne sont pas non plus une option. Cette grande boîte est la meilleure. Je ne choisirai pas le rouge car nous savons qu'il attire beaucoup de monde. Je choisirai plutôt celle-ci. Tout d'abord, si vous regardez de ce côté, elle est aussi étroite que la rouge. Mais regardez, il y a tellement d'espace. Bon. C'est plus confortable, bien sûr. Bon les gars, maintenant je vais me choisir une boîte et ça va être super. Hop. Celle-là, les gars, elle est jaune, parce que moi, j'adore le jaune. L'horloge m'a montré cette boîte. C'est celle que l'homme m'a dit de choisir. Et ouais, je vous jure, ma tactique est simple. Alors sortons dans le 15, numéro jaune. Les gars, on n'a pas beaucoup de temps, alors je me cache ici tout de suite, allez. Bonjour les gars, je suis le clown spatial. Oh maman, le clown de l'espace. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous lancer des fusées en fait? Je suis allé 3 fois sur la Lune et 14 fois sur Mars. Pas possible, sur Mars. Je suis sûr de gagner aujourd'hui. Je vais trouver ces farceurs et les mettre en prison. Les gars, regardez ce que j'ai pris avec moi. J'ai scotché mon téléphone pour ne pas faire trop de bruit. J'ai une tactique spéciale. J'ai apporté un blaster de la planète Mars. Je vais l'utiliser aujourd'hui pour chercher et vous prouver que ma tactique est la meilleure. Alors là, c'est un clown qui a vraiment de l'expérience. Il faut porter un casque pour tirer du blaster. Sinon, l'impact sera trop fort. Intéressant. Je me demande si la boîte est vide ou non. J'aimerais bien vérifier. Je ne peux pas la prendre. Il y a un obstacle. Oh, j'ai eu une petite fente là. Regardez juste là. Je peux voir à travers en fait. Qu'est-ce que c'est? Un Richter, je t'ai trouvé. Mes amis, nous irons ensemble à la prison avec la boîte. Attendez, attendez. Attendez. On y va. Voir ce cosmonaute voler Artyom Arishtev. Maintenant Arishtev va aller en prison quoi. Allez hop. Je t'avais dit que mon blaster fonctionnait. Je vais choisir une nouvelle boîte et tirer dessus avec mon blaster. Pas dans ma boîte s'il te plaît. Le blaster m'a dit que c'est une boîte. Il y a 2 boîtes qui sont tombées. Il y a personne dedans. Il a un blaster de haute technologie. Il pourrait certainement nous battre avec. Je suis très attiré par la couleur rouge aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Intéressant. Vite. Le blaster m'a trompé. Je me trompe rarement. Eh ben c'est pas grave, j'ai encore 6 essais entiers. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce clown cosmonaute a pu m'attraper si facilement. Il a l'air de trouver tout le monde avec son blaster. Soyez prudents, les gars. Zut, Artyom n'a pas eu de chance. Il s'est fait prendre par ce clown cosmonaute. Mais on est nombreux maintenant. On est 3 et ce clown est que seul, quoi. Ouais. Arishtev est déjà attrapé, il reste 3. Je pense que je peux m'en sortir facilement. Où êtes-vous, mes chéris? J'entends Alina, elle est juste là. Où vous cachez-vous, mes chéris? Pensez-vous pouvoir échapper à mon blaster? Je ne vois personne pour l'instant. Le blaster me donne un signal. Il me semble avoir repéré quelqu'un à proximité. Nous devrions s'y tirer. Et les autres ne pourront pas
se cacher. Pourquoi est-ce qu'on se fait toujours attraper avec toi? Mais on t'attrape toujours et tu le fais avec tout le monde et pas moi du tout. Tout l'espoir repose maintenant sur William Bruno et sa fille 1, 2, 3, 4. William Bruno ne se fera jamais prendre, je sais où il est assis. Je suis heureux qu'Alina croit en moi. J'espère que vous croirez aussi en ma victoire, les gars. Il pète tellement que je l'entends d'ici. Et les autres ne peuvent pas se cacher. Ah, je ne vois rien. Où est Safik 1, 2, 3, 4 et William Bruno? Pistolet, pistolet, donne-moi non, 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 ne demande pas sur toi ce pistolet. Il sait tout, lui. Ouh, Blaster n'a plus d'énergie. Mais ce n'est pas grave. J'ai un super casque qui était avec moi sur Mars. Il est équipé de plusieurs capteurs infrarouges et auditifs qui capte toutes les vibrations. Je vais le mettre et voir. Merde, ce clown, il est en train de tricher. Il va nous trouver rapidement avec ses technologies minces. Oh non. Waouh, la box est intéressante. On devrait y jeter un coup d'œil. Il n'y a personne. Son casque ne marche pas du tout. Ça veut dire qu'il ne trouve pas toujours sa proie. Mais j'y vais. Je vais réessayer encore une fois. C'est parti. Maintenant les gars, on va essayer de s'échapper à ces capteurs par une méthode de malade. Vous allez voir ce que ça va être, ça va être trop bien. C'est sûr que je vais trouver quelqu'un. C'est ça les gars. Je me suis cassé dans ses faisceaux radio, sous mon t-shirt, et ouais, parce que le sweatshirt ne transmet pas de faisceaux radio, il ne devrait pas pouvoir me repérer. Et oui, là, il n'y arrivera pas. Allons-y! Mars! Il n'y a personne! Comme un taureau, quoi! Il n'y a personne! Allez, ça va là-dedans! Tu as perdu ta tête! Tu as failli nous coincer avec cette boîte! Les gars, ce clown est vraiment... cinglé! Je ne comprends pas, il pourrait briser ses barreaux avec cette boîte. Et nous partirons ici en courant pour aller nous cacher ailleurs. Les gars, on ne sait pas où était ce clone cosmonaute. Il a peut-être été infecté par un virus extraterrestre. En plus de la pression de l'espace. Mais c'est pas grave, j'ai encore trois essais. Tiens, on fait ma chemise. J'espère que mon casque va fonctionner quand même. Parce que là, je sais pas, c'est la merde. Je peux plus rester dans cette boîte. Il fait trop chaud sur mon sweatshirt. Regardons la couleur jaune, celle que je préférais avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Ça fait qu'un, deux, trois, quatre, te voilà pris. Range ton téléphone. On y va, on y va. D'accord, d'accord, prends-le. Joue avec tes jouets préférés. Quel jouet tu parles? Allez. Il a attrapé presque tout le monde. Non, mais cette technologie l'aide beaucoup dans ses recherches. Déjà toi. Les gars, je suis choqué. Il ne reste plus que William Bruno. Ce clown cosmonaute a trouvé tout le monde. Les gars, vraiment, j'aurais dû enlever mon sweatshirt. Car il ne serait pas passé les faisceaux radio. Et dès que je l'ai enlevé, il m'a trouvé. C'est une merde, c'est la merde. Je suis vraiment trop con, mais de toute façon, c'est pas grave, ce jeu est débile. Alors regardez pas ce truc. Le sweatshirt, j'ai compris. Sa fille m'a dit que ce pull ne transmettra pas des ondes radio qu'émet ce cosmonaute et que j'aurai une chance de jouer justement. Il ne pourrait pas utiliser son casque, alors je cacherai mon visage derrière ce pull. J'ai déjà attrapé trois personnes. Je suis le leader de ce jeu. Les autres clowns sont comme Mars. Essayons le rouge, le gras, comme William Bruno. Je suis sûr qu'il est dedans. Raté. Le dernier coup qui reste. Il ne veut pas se tromper. Oui, ils vont gagner, mes petits gamins. Clown, tu veux un indice? Les gars, pas besoin de lui donner un indice. William Bruno est dans une boîte comme la Terre. Alina, pourquoi as-tu donné un indice à ce clown? La Terre est bleue parce qu'il est composé à 70% d'eau. Je suis astronaute, j'ai volé, je sais. Vous ne me trompez pas. Je croyais que la Terre était verte. Je suis dans une boîte verte, moi. Il faut donc une boîte bleue. Oh, c'est loin, très loin. C'est bon, on va y arriver.
Allez les gars, merci beaucoup de croire en moi. Alina, tu es si méchante. Je ne te pardonnerai jamais. Tu vas me faire disparaître maintenant. Allez, disparais, clown. Je disparais. Les gars, il y a un autre tour qui arrive. Aucun nouveau clown ne s'est encore présenté, mais nous avons quelque chose à lui offrir. Bon, c'est à moi de vous chercher maintenant. Eh bien, vous ne vous êtes pas caché, je comprends pas. Vous savez quoi? Pourquoi c'est toujours nous qui nous cachons, hein? Ouais! C'est déjà la deuxième partie de cache-cache avec des clones stupides! Et vous, les petits gars, vous pouvez pas vous cacher un peu? Et vous ne pouvez même pas vous cacher! Vous savez que chercher! Essayez de vous cacher! Ok, je ne comprends pas là! On est mauvais, nous! On peut se cacher aussi! Nous nous cachons, vous ne pourrez pas nous trouver! Essayez de nous trouver! Ok, on va le trouver! D'accord, d'accord, pas de problème! Mais je ne comprends pas où on dit disparu, les autres clowns, vous étiez trois. Et qui a dit qu'il avait disparu? Alors, nous allons nous cacher. D'accord, et nous on compte. Un, deux... Pourquoi vous sortez pas d'ici, hein? Ah ouais, merci l'opérateur. D'accord, nous allons compter à l'extérieur. Nous allons compter jusqu'à 100. C'est bon, allons nous cacher. Oui. Et cachez-vous bien, qu'ils ne nous retrouvent pas. Ma couleur préférée est le jaune, tu ne me laisses jamais tomber, je vais me cacher ici. Ah, j'ai choisi un bel endroit, je vais montrer à tout le monde comment se cacher. Je vais me cacher là, ils vont tous se dire que c'est bête de me chercher tout près de la cage. Je me suis caché. Ok les gars, je choisis cette boîte parce qu'elle est grande et confortable. Alors, ça y est, je me cache. C'est bon, je suis bien là. Les gars, on a un plan. On va trouver ces clowns maintenant, les mettre en prison et les attacher pour de bon. Et après, on pourra s'échapper. C'est ça? Ouais! Oui, les gars! Oui, les gars! Alors, allons-y. Allons, on y va. Un, deux, courez! Wow! Allons-y! Les gars, pour que tout soit juste, nous avons tous les quatre droit à 10 essais, mais pour tout le monde. En 40 essais, nous les aurons tous. Cherchons-les. Vous entendez ça? Ils sont déjà là. Bruno, regarde d'abord. Ok les gars, nous avons 10 essais. Moi, j'ai 3 essais, 2 et demi en fait. Je vais donc tenter ma chance pour trouver le plus de clowns possible. J'ai entendu l'un de ces clowns parler dans le coin en fait. Oui. Ouh. Ah, zut. Ah, les gars, moi un essai et zéro clown quoi. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle. Il ne reste plus que 3 clowns. Bon, on passe à la boîte suivante. Hé, hey, qui est là? L'astronaute ou l'agent de sécurité? Ou le chien? Hé, hey. Il n'y a personne. D'accord. Ah, ah, je t'ai eu. Ah, c'est ça, ah, allez. Ah, 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 bon, laissez-moi. Allez. Ah, non. Allez, monte. Je suis attaché. Oh non, mes amis, sauvez-vous. Et maintenant, c'est à moi de chercher. Tu penses que dans cette boîte? Je pense que c'est vide ici. Il y a une aura froide. C'est une sorcière. Et là? Les sons de la nature disent qu'il faut l'ouvrir. Allez. Ah. Alors, il y a quelqu'un ou pas? Yana, mais pas ici. Et Alina, t'as dit qu'il y avait quelqu'un ici, mais il n'y avait personne là-dedans. Alors c'est toi qui l'ouvre au moins? Tu penses que je vais te le dire? Peut-être que je suis plus intéressée à l'ouvrir moi-même. Les gars, Alina veut que je perde. C'est à moi de deviner maintenant. Alors? Choisis une autre. Une autre? Non, c'est comme tu veux, je veux bien l'autre moi. Encore? Les gars, c'est une boîte vide! Comme dans sa tête! On a déjà perdu 4 essais! Où se cachent tes amis? Je ne sais pas! Ils sont si intelligents, ils savent se cacher, contrairement à toi! D'accord, laissons quelqu'un d'autre chercher! Les gars, j'ai fait un rêve aujourd'hui! J'ai vu 2 couleurs! 2 pilules, une rouge et une bleue. Essayons donc de trouver la première pilule bleue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, mais je pense qu'il ferait mieux de sortir d'ici rapidement. Oups. Personne. Alors, comme je n'ai pas de chance, je pense que la prochaine boîte sera certainement
temps avec un clown. Safik, Safik, t'entends ça? Il y a un battement de cœur juste là. Des battements? Des battements, oui. Safik, aide-moi à soulever cette boîte. Allez, c'est parti. À deux. Deux. D'accord. Oh, mon instant m'a lâché. Safik, t'es mon seul espoir. Hein? Moi? 4 essais, Safik. Tu as 4 essais. Allez, allez, allez. Ok les gars, je choisis cette boîte parce que ma montre indique que c'est cette boîte là en fait, et ouais. C'est celle que tu veux choisir? Ah ouais, celui-là. T'es sûr que tu veux choisir cette boîte là, baby? Cette boîte là, c'est sûr. Et tu es sûr qu'il y a quelqu'un dans cette boîte là? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans celle-ci. Ou peut-être qu'il n'y a vraiment personne. Écoutons un peu. On n'entend rien en fait là-dedans. Mais Safik, je te dis qu'il n'y a personne ici. D'accord, allez, on se casse. Ouais. Oui, je le tiens, oh, je le tiens, regarde. C'est ça, on y va en prison. Bonjour. Salaud. Tu t'es pas bien caché. Moi, j'avais la meilleure boîte, mais ils m'ont retrouvé, ces salauds. Ah, ils sont malins. Allez, filez-moi un moment, je vais les attacher maintenant. C'est ça, allez. Tu as les mains attachées ou quoi? Oui, tout comme toi. Comment on va sortir d'ici maintenant? Quoi faire maintenant? Est-ce que ça fait du bien d'être en cage? Non, c'est pas agréable du tout. Pourquoi suis-je derrière les barreaux? Je dois garder cette cage. T'es ici pour découvrir que ce n'est pas agréable du tout d'être assis ici. Pas du tout agréable. Bon alors, maintenant on va essayer et on va taper toutes les boîtes comme des débiles. C'est parti, je sais où il est déjà maintenant. Combien d'essais nous restent? On n'y réussirait pas. Ouais. Les gars, suivez à ce sommet cette boîte rouge avec un coup de poing super spécial. Et le clown tombera instantanément, il n'aura même pas besoin d'être attaché, ouais. Ah, hey, le clown! On dirait qu'il est complètement écrasé. Disparu. Regardez dans une autre boîte. Et les gars, faisons semblant d'être des clowns et attirons le dernier clown. Tu as clown? Safik, je ne pense pas que cela va nous aider. Prenons une boîte au hasard. D'accord. Celle-là, par exemple. Ou celle-là. Les gars, quelle boîte choisiriez-vous en fait? Bleu? Ou celle-ci, quoi? Secouons-la. Les gars, je crois qu'il y a quelqu'un dans cette boîte pour une raison ou une autre. Non, il y a ouais, personne. Ouais, les gars, je l'ai. Les gars, c'est parti. Les gars. Allez. Moi aussi. Voilà le chien. Comment avez-vous fait ça? Ils ont fait ça pour vous. La chaîne doit atteindre 100 000 likes. Continuez à en mettre. Les gars, on a attrapé tous les clowns et on les a mis en prison. Alors si vous voulez qu'on joue à nouveau au cache-cache extrême avec eux, mettez 100 000 likes sur cette vidéo. Et en attendant, cliquez ici et regardez cette vidéo. C'est la meilleure vidéo qui existe. Allez-y, regardez cette vidéo ici. Allez, on y va, hein. Allez, regardez cette vidéo. Regardez, on a fait des efforts pour la filmer.